Olá, criptomaníacos. Rapaz, o sol tá batendo forte de hoje. Galera, é o seguinte. Vou fazer um react aqui. Tá tudo em português embaixo, pra quem não entende. Já vai treinando seu francês aí. Um dia você vier visitar a Torre Eiffel, você já sabe um pouquinho de francês aqui com o Axé, tá bom? Eu vou fazer um react dele aí. E ele tá falando uma problemática dos NFT. Tá ok? Vai estar traduzido automaticamente em português o que ele vai falar. E quando eu falar em francês, não vai estar traduzido. Se você quiser traduzir, você vem aqui embaixo, coloca em detalhes, tradução e coloca em português aqui a tradução. Coloquei em português automático, é só a voz dele que vai sair, tá? Então é isso, vamos lá, vamos para cima desse vídeo. É interessante o Axé. Eu falei para vocês que vou fazer uma react dele. Ele disse que vai recomeçar aí as formações do zero, né? Do zero sobre tudo sobre a blockchain, criptomoeda, Bitcoin e tudo mais. Então vocês já vão pegar essa formaçãozinha dele, né? Mas aqui é um vídeo que está alertando sobre o NFT, sobre toda essa tecnologia e tudo mais, tá bom? Vamos lá. J'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler des NFT. Alors en l'occurrence, je suis fan des NFT. Mais aujourd'hui on Nossa, va parler des différents problèmes qui viennent direto de cet mesmo, effet de voilà. mode. Alors encore C'est une un fois, peu la mode. justement, le problème vient plus de l'effet de mode, de la tendance, d'accord, de la hype des NFT, Il y que a des trop d'hype. NFT en eux-mêmes. Malgré tout, il Voilà, y a certains NFT. points qu'il faut être capable d'aborder et certaines choses. NFT, c'est quelque chose de pas mal, c'est une super idée, tout ça, mais les hype, tout ça, tout ce qui c'est, les anarches qui peuvent travailler en dessus de hype, voilà, des technologies nouvelles comme le métaverse et tout ça. Donc, tout ça, si on ne fait pas attention, on va être hypé, on va dire, ouais, c'est cool, ça va me faire bondir de l'argent, beaucoup de, tu vois, je vais gagner trop de sous et tout. Et si tu ne fais pas attention au vrai projet, le faux projet, tu tombes dans un arnaque, t'es mort. Donc si t'es mort, ça veut dire. T'as plus de. Si tu commences à perdre de l'argent, on va dire que la personne est en train de débuter. Hein. Si tu commences à perdre de l'argent au début, t'es mort parce que tu vas plus vouloir étudier tout ça. Tu vas dire que c'est que des arnaques. C'est ça les gros soucis dans le NFT, dans le jeu play-to-earn, parce que les gens ils sont en train de faire des pump and dump, tout ça. Dès qu'ils donnent, ils livrent même pas les projets. Donc ils parlent des choses, ils font pas. Donc il y a très peu de projets sérieux dans le play-to-earn. C'est beaucoup de scams Ponzi. C'est beaucoup de Ponzi. Et excuse-moi mon français. Hein. À mon avis. Ça va tarder un peu pour que ça tienne comme une horloge, que ça tienne l'engrenage comme une horloge. Il faut faire attention pour ne pas tomber, parce qu'il y en a beaucoup des anarches. Ils sont listés dans CoinMarketCap, ils sont listés sur CoinGecko, sur plusieurs plateformes. Ils ont des crypto-monnaies, des fois ils essayent même. Voilà, de dire que c'est un bon projet, tout ça, mais ce ne sont pas tous qui sont vraiment sérieux. Ça, je parle de play-to-win déjà. Il y en a aussi le problème qui va dire des collections. Je vais laisser lui parler un peu. Je vais laisser qu'il parle un peu. Parce que lui, il sait beaucoup aussi. Donc, je vais laisser qu'il montre ce qu'il sait, quoi. On y va. Chose qu'il faut être capable de dire, surtout aux plus débutants et aux gens qui découvrent ce monde aujourd'hui. Les NFT sont en tendance, que ça vienne des artistes qui rapportent leur communauté, du monde du gaming qui est en train de se développer et d'inclure de plus en plus d'NFT, surtout depuis l'annonce de Facebook qui se renomme en Meta pour Métavers. Les NFT seront partie prenante de notre avenir et ça, c'est une chose certaine. Ça va être Malgré tout, normal, il faut quoi. faire attention. Comme on en parle de plus en plus, il y a un effet boule de neige. Aujourd'hui, les gens ne connaissent même pas c'est quoi. Mais d'ici à quelques-uns, ah, t'as un NFT de ça? Ah ouais, mon NFT de ça. Ils vont tous savoir c'est quoi. Mais le souci, c'est le hype. Avec les hype, il y en a trop des arnaques qui vont là-bas pour scanner de l'argent de monsieur tout le monde. Hein.
Des grandes marques se lancent dedans, les plus grandes entreprises du monde commencent à proposer et à acheter elles-mêmes des NFT, et il y a un effet d'emballement et d'accélération que l'on est tous en train de vivre, puisque la plupart d'entre nous en ont déjà entendu parler, et si ce n'est pas le cas, entendront ce mot pour la première fois très bientôt. On va donc aborder les problèmes actuels qu'il y a dans les NFT et ce qu'il faut avoir en tête. Je dirais même que si on a toutes ces choses en tête et qu'on est informé dessus, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'il y a énormément de gens qui achètent leur premier NFT, qui dépensent de l'argent dans ces différents objets et qui seulement ensuite se rendent compte de ce qu'ils ont fait. Et voilà. Ça, c'est un problème. Alors, c'est peut-être un petit peu rude, mais j'aime bien faire le parallèle avec les casinos. Quelqu'un qui va dans un casino, qui a envie de prendre un risque, qui est prêt à perdre son argent et qui essaye d'en gagner, peut très bien passer une bonne soirée à s'amuser et à faire du gambling. S'il a conscience des risques qu'il prend et du fait que ça peut être une addiction. À ce moment-là, il n'y a pas de problème, entre guillemets. Le problème intervient quand quelqu'un rentre dans un casino et ne se rend pas compte que c'est addictif, ne se rend pas compte des risques qu'il va prendre et n'a pas compris que la machine a été pensée pour que, mathématiquement, sur des millions de dollars du moins, le joueur perde. Eh bien, c'est ça le problème que l'on peut retrouver également dans les NFT. Ce ne sont pas les NFT en soi, et pour le coup, c'est bien différent d'un casino et bien différent du gambling, quoique en ce moment, vu comme les prix peuvent monter très très vite, très très haut et redescendre tout aussi vite, on peut vraiment apparenter ça à du gambling. Il fait une bonne comparaison quand même hein, au play-to-earn, hein, au NFT, mais le play-to-earn, c'est comme un casino aussi, hein. C'est la même chose. Mais en fait, la plupart des gens qui gagnent sont les gens qui commencent dans le bon moment et qui sortent dans le bon moment aussi. Il faut sortir au bon moment. Parce que la plupart, ils font ça, et après ils font ça. Hein. Donc il faut sortir avant qu'ils fassent ça. Du gambling, en tout cas, certains projets. Et surtout de l'autre côté, le fait que les gens ne se rendent pas compte des risques qu'ils prennent. Énormément d'abonnés me posent des questions évidentes qui me font comprendre seulement après coup, donc seulement après qu'ils aient dépensé beaucoup d'argent dans des NFT, qu'ils n'avaient pas conscience du tout des risques qu'ils prenaient. Voilà pourquoi moi qui suis fan de NFT, qui les ai présentés sur ma chaîne et qui vais vous en reparler en bien à l'avenir. Oui, la première fois que j'ai bien étudié sur NFT, c'était avec lui. Hein. Il a fait pas mal de vidéos, des vidéos vraiment qu'il a recherchées où il fallait pour bien parler, pour qu'on puisse comprendre. Et là, bon, les NFT, après ça, ils ont trop évolué. Moi, avant, à l'époque, je ne savais même pas faire un NFT. Maintenant, je sais faire des NFT gratuitement sur Haribol, Mantable. Même sur Solana, je sais le faire maintenant. Mais ce qu'il me faut faire, c'est avoir une collection qui soit... Bon, je vais faire ça un jour. Qui soit quelque chose qui a une communauté solide, et qu'on a une bonne cause, une cause juste. Ça c'est un projet d'NFT. La plupart, c'est vraiment... Regardez. Je me devais de nuancer en mettant le point sur les informations très importantes que vous devez avoir en tête quand vous achetez des NFT purement artistiques ou utilitaires avant de dépenser votre argent et d'en prendre des risques dans cet écosystème. Alors déjà, commençons par les problèmes des NFT artistiques. Un NFT artistique, c'est un NFT qui ne vous donne aucun droit, aucun bonus, il ne vous permet de rien faire. C'est simplement un objet que vous allez détenir et la seule chose que ça vous apporte, c'est d'être le propriétaire de cet objet. Il y a des NFT artistiques dont les prix battent des records absolus. Ça se vend en millions, voire dizaines de millions de dollars et c'est complètement aberrant, des fois pour des objets qui ont été conçus en quelques minutes, simplement mis en ligne quelques heures après et qui ont été tout de suite achetés par la communauté. Il faut comprendre quelque chose sur ce point. Déjà, la valorisation de tout ce qui est artistique, d'accord, est propre à chacun. Je vous prends l'exemple d'un couple new-yorkais qui, en novembre 2021, donc il y a quelques jours, a vendu, je crois que c'était une trentaine de tableaux et de sculptures pour 700 millions de dollars en quelques heures. À partir de là, que ce soit des NFT, donc que ce soit virtuel, ou que ce soit des biens réels, quand on en arrive dans ces échelles de grandeur-là, il faut comprendre que c'est subjectif. Chacun est libre de vouloir ou non dépenser de l'argent pour obtenir ces objets. Il faut juste avoir conscience de ce que c'est et vraiment bien comprendre ce que l'on est sur le point d'acheter. Le gros problème qu'il y a dans le monde des NFT artistiques, c'est que la plupart du temps, les gens achètent avec la ferme intention de les revendre plus cher plus tard. Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle à vous apprendre. Bien qu'en ce moment... Comme tous les NFT, on n'achète jamais pour vendre moins cher. On pense qu'on va toujours acheter pour vendre plus cher. C'est pour ça que des fois, il faut chercher des méthodes qu'on n'achète pas, mais qu'on gagne des NFT qui peuvent vouloir de l'argent. J'ai fait une vidéo, mais c'est en portugais. Si vous êtes français et vous ne comprenez pas,
Regardez sur les sous-titres, ou sinon regardez sur en haut là, en haut. Il y en a des vidéos. Bon, regardez sur ma chaîne. Et vous allez voir qu'il y en a des méthodes de gagner des crypto-monnaies sans investir aucun centime. OK? On continue. En ce moment, les crypto-monnaies peuvent prendre beaucoup de valeur et qu'on a l'impression qu'il y ait beaucoup de vert à peu près partout. Ça ne se passera pas comme ça éternellement. C'est-à-dire que dans le monde des NFT, comme dans le monde de l'art traditionnel, il y a des pièces rares, convoitées, qui conserveront leur valeur dans le temps. Mais aujourd'hui, c'est la tendance des NFT que vous achetez. C'est-à-dire que 99% des projets, bons ou pas bons, mis en ligne par un vrai artiste qui maîtrise l'art ou par n'importe qui avec le logiciel Photoshop qui a bidouillé 3-4 heures sur son ordinateur, on va avoir du mal à faire la distinction entre les deux. Évidemment, C'est on va vrai ça. pouvoir voir l'origine, qui est-ce qui a créé cette œuvre, mais la réalité, c'est que rien que le fait que ce soit un NFT, ça peut lui donner beaucoup de valeur. Et donc, C'est ça, il faut savoir quels sont les NFT qui peuvent avoir des valeurs et quels sont les NFT qui peuvent être des anarques. Ça veut dire être conçus par des anarques pour escamer votre argent. C'est ça, il faut savoir beaucoup ça. Il faut bien étudier ces marchés avant de se lancer dedans. N'importe qui se lance dedans, que ce soit des artistes, des musiciens, etc., ou que ce soit des gens qui n'ont strictement aucune compétence dans l'art. Et ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Pour refaire un parallèle, en 2017, il y avait les ICO, les premières levées de fonds en crypto-monnaie. Elles fonctionnaient à peu près toutes, en tout cas pendant un C'est certain une bonne temps, comparaison. parce qu'on n'était pas là à se dire est-ce que c'est un bon projet qui lève des fonds en crypto-monnaie ou est-ce que c'est un projet pourri. On en était là à se dire ah, c'est une levée de fonds en crypto-monnaie, alors ça va Voilà, marcher, je on l'ai investit quoi. à mort. Et c'est ce qu'il faut comprendre. C'est Cette pas bon. tendance-là dans les NFT va naturellement s'essouffler. Et on arrivera à un moment où le marché va perdre de la valeur. Je pense même les très bons projets, hein, tout comme ceux qui, en fin de tendance de 2017, même les bonnes entreprises qui essayaient de lever de l'argent avec des ICO, n'y a C'est comme si on regarde actuellement, je vais voir vite fait, hein. Je sais pas si je peux le faire. On va dire CoinMarketCap aujourd'hui. CoinMarketCap à 5 à 3 ans 2010, 2019, on va dire simplement 2019. Hein? CoinMarketCap 2019. Donne-moi 2 secondes. Voilà, 2019. On va voir vite fait. Là, vous regardez qui est-ce qui est en dessous. Regardez, là, c'est CoinMarketCap actuellement. CoinMarketCap actuellement, les premiers, c'est BTC, le deuxième, Ethereum, le troisième, Tether. Tether, c'est une bombe. Hein? BNB, le troisième, quatrième, USDC, à cause que Tether, c'est une bombe. C'est une bombe parce qu'il y a trop de soucis. Solana, c'est la cinquième maintenant, la sixième, l'Ether cinquième. Hein? Maintenant, elle est là. La sixième, donc BTC a dépassé, BNB a dépassé Solana. Donc, BNB, USD, il a dépassé Solana. Donc il y en a septième, ADA, huitième, Ripple, neuvième, Luna. Luna, c'est intéressant, il faut la regarder. Bon, là, c'est aujourd'hui, 2022, janvier. Et là, c'est CoinMarketCap. OK? La date que j'ai mis là-bas. 2019. Donc, BTC les premiers. Là, Ripple, Ipol, dans le troisième. EOS, Bitcoin Cash. Quatrième et cinquième Bitcoin Cash, EOS. Litecoin. Litecoin, il est où là? Ah, il est loin. Hein? Regardez, il n'est même pas là. Vous avez vu? Donc, ça peut changer la donne déjà. Regardez. Stellar, il est loin, Stellar. Cardano, ça va encore. Tron, il y a le mec qui est par derrière, il était obligé d'arrêter un peu ça. Donc, Monero, Dash, Tezos, t'as vu? NEM, elle est là en bas aujourd'hui. NEM, on va regarder NEM déjà. Même pas ici. Même pas ici. Donc, c'est juste pour un bref. Hein. Voilà, elle n'est même pas au 12e. NEM, elle n'est même pas au 12e. Donc, au 12e, elle n'est pas. Elle est loin. Hein. Bon, déjà, vous avez bien compris ce que je dis. Donc, ça se peut qu'aujourd'hui, ça vaut quelque chose, l'NFT, et ça se peut que demain, la tendance, elle va faire qu'on oublie ça et que juste les milieux vont rester. Donc, il faut faire trop attention quand on va rentrer dans un projet. Déjà des crypto-monnaies. Imaginez déjà
les projets des NFT qui c'est hypé, qui tout le monde est en train de dire, ouais, je vais devenir riche. C'est pas comme ça. L'hiver crypto, il peut arriver n'importe quand. Une année avant le halving des BTC, normalement, il arrive. Donc, c'est ça, il faut faire beaucoup attention. Qu'est-ce qu'on va choisir? Si on va acheter, qu'est-ce qu'on va acheter? Parce qu'il y a une grosse partie qui peut être des projets qui vont être morts dès que ça commence à avoir un bear market. Et que ça arrive l'hiver crypto. Donc, l'argent foutu, tu vas plus vendre ton NFT qui s'est pas bien choisi. Par contre, il y a des bons NFT, il faut étudier. C'est ça. On y va? N'y arrivait plus parce que c'était has-been. Plus personne ne s'intéressait à ce modèle. Eh bien, il va y avoir un moment où on va se désintéresser des NFT, où il va y avoir moins d'intérêt dedans, et donc la plupart des NFT vont perdre de la valeur. Et à ce moment-là, sur le long terme, vont survivre les vrais projets, des vrais artistes et ceux qui veulent vraiment Vous avez proposer vu, des c'est ça œuvres et hein, les que j'ai dit tout à travailler l'heure. à travers le temps. Mais 99% des projets qui étaient là simplement pour profiter de la tendance verront le prix de leur NFT s'effondrer. Plus personne n'en entendra parler et la plupart des gens se débarrasseront de tous les NFT qu'ils ont pour quelques miettes. Il faut l'avoir en tête, c'est comme ça que ça va se passer. Et ça va arriver au bon moment, les firs d'acheter, la peur d'acheter des NFT. Parce qu'il va y avoir beaucoup de gens qui se sont arnaqués parce qu'ils ont mal acheté, ils ont mal trouvé les bons NFT. Donc, s'ils ont commencé, qui est dans le marché des NFT, les marchés crypto entiers, ça va être foutu parce que dans la tête, ils vont dire non, c'est que des arnaques et tout ça, ils vont même pas étudier. Donc, c'est trop intéressant. Avant de commencer quelque chose, étudie un petit peu. Et c'est pour ça que je le suis, c'est pour ça que je vous montre. Il n'y a pas que lui que je suis, il y a beaucoup de gens. Et si vous me suivez, vous allez voir, j'en ai pas mal de des astuces qui peuvent vous faire devenir quelqu'un bien compétent dans le monde crypto, ok? Passé. Encore une fois, différemment, il y a toujours des NFT qui conserveront leur valeur, il y a toujours des communautés qui feront en sorte que certaines pièces aient toujours une certaine rareté et soient échangées. Ce ne sera pas le cas de tous, que ce soit bien clair. Mais dans la grande majorité, comme aujourd'hui, 9 projets sur 10 sont là que pour profiter de la tendance, le jour où il y aura une baisse d'intérêt pour cette Ça, c'est vrai, technologie ça. et que ce sera toujours l'avenir, mais que ce ne sera plus à la mode, en mode tout le monde découvre, tout le monde en veut maintenant, et eh bien à ce moment-là, on va voir une grosse partie des pièces du marché qui vont tout de suite perdre de la valeur parce que ce sont des marchés qui sont très peu liquides, et des fois on voit des communautés qui valorisent quelques NFT très très cher alors qu'il n'y a que 300 ou 400 personnes dans le monde qui s'y intéressent. Donc dès que ces gens vont passer à autre chose, comme ce ne sont pas des marchés très 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 connus qui ont une audience Ils aussi sont pas large que les solides, ces CryptoPunks machins, par quoi. exemple, qui sont connus par des millions et des millions de personnes, Ça, c'est quelque naturellement les chose. petits projets qui sont pas. CryptoPunk, il y a l'aspect historique. Il y en a l'histoire par derrière. On a la culture cyberpunk par derrière. Il y a beaucoup de choses. Donc, il faut tout ça comprendre pour pouvoir dire, ouais, mais ça, c'est quoi? Ça, c'est quelle collection? Ça... Déjà, il faut savoir quelles sont les top collections. Les top collections de tous pour essayer de ne pas sortir trop de top. Parce qu'il n'y a pas des collections IP, des collections top qui sont là plusieurs, ça veut dire plus d'un an déjà. C'est ça, il faut faire beaucoup attention pour les nouvelles aussi. Ça ne veut pas dire que les nouvelles ne vont pas être bonnes, ça veut dire que certaines sont plus solides. Mais ça ne veut pas dire que les nouvelles ne vont pas être solides. Il faut savoir choisir. Pas suivis par grand monde, peuvent très vite perdre énormément de valeur. Il faut l'avoir en tête, ça doit être dit. La deuxième chose, c'est de comprendre comment ça se valorise. C'est une pression communautaire. Imaginez qu'il y ait 100 personnes qui soient intéressées par des NFT et qu'il n'y ait que 10 NFT qui soient créés. Il va y avoir 10 fois plus de pression communautaire que d'offres. Et c'est ce qui fait qu'on peut monter les prix. Ça fonctionne pour les crypto-monnaies. C'est comme ça qu'on réalise des levées de fonds et des lancements de nouveaux jetons pour pouvoir valoriser le token et réaliser du profit sur les tokens qui ont été vendus avant leur émission. Et c'est comme ça. C'est pour ça qu'ils font brûler de certaines cryptos aussi, pour qu'on puisse avoir moins de supply, qu'on puisse avoir plus de rareté. Ça dépend de beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses. Il faut bien étudier. Que ça fonctionne pour les NFT. Et c'est ce qui fait qu'en fait, il y a un effet boule de neige. Plus les artistes proposent des NFT et se rendent compte que ça rapporte de l'argent, plus d'autres artistes ont envie de le faire, d'autres artistes qui vont donc en parler à leur communauté, et leur communauté vont découvrir les NFT et donc générer encore plus de demandes. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des artistes qui ont des très très larges communautés,
qui mettent très peu de NFT en vente. Et donc, naturellement, les fans absolus de l'artiste se jettent dessus avec l'idée qu'un jour, ils le revendront beaucoup plus cher. C'est possible, hein, d'accord, il ne faut pas insulter l'avenir, ça peut arriver. Mais en attendant, il y a des gens qui prennent des risques et qui dépensent l'épargne d'une vie entière pour acheter un NFT dont la promesse est nulle. C'est-à-dire que le NFT ne sert à rien à part dire c'est l'un des uniques NFT que j'ai créé en décembre 2021, pour vous donner un exemple. Et en échange de ça, le fan, lui, s'attend réellement à pouvoir revendre à un moment ou à un autre et à tirer du profit. Vous pouvez acheter des NFT, mais sachez que vous mettre dans une démarche de trading, de gambling, c'est très dangereux pour vous parce que vous n'avez pas de visibilité sur ce qui va se passer. Alors, encore une fois... Déjà, les marchés du NFT, la liquidité des fois est trop basse auprès du marché de certaines crypto-monnaies. Donc, il faut regarder la liquidité aussi de la collection que vous allez essayer de spéculer aussi. Il faut bien faire attention à la liquidité et la vitesse des négociations. Ça veut dire que les gens se sont en train vraiment d'acheter et vendre. Si c'est un peu calme, il faut tout ça regarder. Il faut bien regarder les choses. Parfois, tous les artistes ne font pas ça. Il y en a qui vendent énormément de pièces pas très chères et qui mettent des prix limités pour pas qu'il y ait un effet d'enchère et que ça s'enflamme. Mais il y a vraiment des gens qui achètent et se rendent compte trop tard qu'ils ne peuvent plus le revendre, que l'objet ne vaut pas le prix qu'ils l'ont acheté et se retrouvent vraiment très tristes de constater leur situation et ce NFT inutile qu'ils ont désormais dans leur portefeuille. Donc déjà, se rendre compte de comment fonctionne la valorisation, qui est une pression communautaire. Ensuite, se rendre compte qu'il y a une grosse partie des projets qui sont simplement là pour profiter de la tendance. Ça me fait rire parce que il y avait, vous savez, il y avait la finance décentralisée et il y avait également la tendance sur les NFT. Et ensuite, il y a eu les métavers. Et je voyais certains projets qui faisaient de la finance décentralisée et des NFT. Et une semaine après, on venait sur leur site, ils avaient juste rajouté virgule et ils avaient rajouté métavers dans l'article pour vous dire vraiment comment certains essaient simplement de surfer sur une tendance et non pas créer réellement des NFT qui vont se valoriser à travers le temps. Des fois, il y en a des roadmaps qui disent qu'ils vont faire un truc, c'est comme les play-to-win. Ils font pas, ils font les hype, les gens ils achètent, ils attendent. Donc des fois, ils disparaissent avec cet argent. Il faut faire beaucoup, beaucoup attention. Il faut le savoir. Ensuite, ça existe des traders d'art dans la vraie vie. Des gens qui connaissent réellement l'art et qui vont acheter des pièces, les conserver à travers le temps et les revendre plus cher. Mais c'est un métier à part entière. Tout comme dans les crypto-monnaies, quelqu'un qui vient et qui achète des crypto-monnaies pendant 3 heures, qui a l'impression de gagner de l'argent parce que tous les cours montent, cette personne a l'impression de devenir un trader professionnel. Pas du tout. Cette personne est juste arrivée au bon endroit au bon moment voilà. Sur un marché où la plupart des crypto-monnaies peuvent prendre de la valeur pendant 4-5 mois. Pour devenir un trader, il faut étudier. C'est pas comme c'est comme ça. Ah non, achète... Non. Il faut étudier. Il faut bien étudier. Il faut regarder les graphiques tous les jours. Pour devenir un trader, il faut être avec la main dans la masse. Il faut préparer la masse comme un pizzaiolo. Il faut être là-bas. Il faut le faire. Il faut sentir. Il faut acheter. Il faut vendre. Mais il ne faut pas être trop sûr de soi-même. Il faut toujours mettre en doute. Il faut toujours penser que tu peux perdre. Mais il faut aussi penser que tu peux apprendre à gagner. Ça, c'est intéressant ce qu'il a dit. Moi, et donc il y a des gens qui se pensent professionnels du trading de crypto. Ça va leur faire tout drôle quand le marché va s'inverser ou quand le marché va se calmer, parce qu'à ce moment-là, un vrai trader sait se protéger. Quelqu'un qui pensait être un trader et qui n'a connu que du vert et que des succès va se faire très mal. Alors Imaginez si ce trader du monde de la crypto-monnaie devient en plus un trader d'œuvres d'art NFT. Non seulement l'art est un marché très complexe, le trading également, mais mélanger les deux et penser que l'on peut acheter des images de chiens bleus et multicolores en les revendant à x10 le lendemain, certes, ça peut arriver à certains moments parce qu'il y a des effets de mode, des effets de tendance et des emballements, mais quand le marché va se calmer, qu'on sera plus sur cette hype, mais qu'on sera sur un marché plutôt stable et qui a trouvé sa place finalement, comme les NFT vont l'être dans les années à venir, eh bien à ce moment-là, il n'y aura que quelques experts qui arrivent à performer sur ce genre d'achat-revente. La plupart des gens... Et même les gens qui vont acheter, ils vont être plus exigeants. Ils vont savoir c'est quoi les anarches. Ils vont plus acheter des conneries. Et là, le marché de NFT, il va être plus solide. Il va être plus consolidé. Il va être plus fort. Donc là, c'est comme aussi les marchés de la crypto commencent à grandir. On commence, les gens qui achètent des cryptos, à savoir c'est quoi des shitcoins, c'est quoi du bon projet. On commence à savoir tellement qu'on commence à s'adapter avec les temps. Ça veut dire que les gens, par exemple, comme moi, je suis dans tout ça, ça fait même pas 3 ans. Mais les gens qui ont 7 ans, ils sont habitués. Ils sont habitués avec les verts crypto et tout.
les gens qui vont commencer à étudier aussi, ils vont étudier, ils vont perdre, ils vont gagner. Au bout d'un moment, ils vont s'adapter, ils vont être plus aussi exigeants l'air d'acheter. Et ça, c'est bon pour tous les marchés, même pour les NFT. Ces gens n'arriveront plus à faire de simples profits et multiplier leur mise initiale en achetant à peu près tout ce qui passe. La plupart des grandes marques et des artistes qui connaissent réellement et qui ont pris le temps de faire leurs recherches sur les NFT vont essayer de proposer des solutions plutôt maîtrisées. Des montants limités, un certain nombre de NFT par personne, essayer de faire en sorte que dans le marché secondaire, donc après les avoir vendus, les avoir mintés, que les gens n'abusent pas sur la revente, mais certains n'en ont rien à cirer. Certains arrivent, se disent, OK, quelle est la pression de la communauté qui me suit? Je vais faire très très peu de pièces, je vais vendre ça une fortune et je n'ai aucun intérêt à donner une utilité quelconque à ce NFT dans le futur. Il y en a même certains qui le disent, ouais, j'en crée pour en créer, l'objectif c'est juste de voir ce que ça fait. Par contre, l'argent qu'ils vont percevoir de leur communauté, elle, est très réel et très palpable, et c'est bel et bien ce qu'ils visent. Faites juste attention et essayez de comprendre si le projet a une valeur plus profonde et qui s'inscrit dans le temps, ou si c'est simplement, comme beaucoup en ce moment, du money grab, où l'objectif n'étant pas de récupérer de l'argent en proposant une valeur en face, mais simplement de donner quelque chose qui ne sert à rien en faisant croire que ça a de la valeur pour récupérer de l'argent. Ce qu'on appelle du money grab et ce qu'on voit communément dans le monde des NFT en ce moment, sachant que tout le monde, et Communément. quand je dis tout le monde, je parle bien de tout le monde, commence à s'intéresser à cette technologie. N'oubliez pas Voilà. également que c'est un signe extérieur de richesse. D'accord? Il y a beaucoup de gens dans le monde de la crypto-monnaie qui ont gagné des fortunes. Montrer qu'on a un NFT à 200 000 euros et qu'on l'a acheté et qu'on s'en fiche totalement, c'est faire passer un message à la communauté et aux Cela. gens qui, eux aussi, ont les moyens ou non d'acheter ce genre de NFT pour des fortunes. Il faut bien comprendre que beaucoup le font simplement pour renvoyer un message ou pour se donner une image. Et le grand danger, le grand problème finalement, c'est quand des gens, eux, utilisent l'épargne de toute leur vie pour acheter un NFT qui, pour eux, est très Voilà. important et se doit de conserver de la valeur, alors qu'ils veulent simplement faire comme d'autres personnes qui, pour eux, c'est juste un point sur un site, ils vont le revendre le lendemain, ils n'en ont rien à cirer, et c'est juste pour renvoyer un message en mode, à la limite, même si mon NFT s'effondre et qu'il perd de l'argent, je m'en fiche, le but c'était de montrer que je pouvais l'acheter à ce prix-là. Et il faut le savoir, d'accord? Il y a des signes extérieurs de richesse dans la vie, on peut s'acheter une belle voiture, on peut s'acheter une belle montre. Il n'y a évidemment pas que ça, c'est pas que pour ça qu'on s'achète une belle voiture et qu'on s'achète une belle montre, mais c'est également l'image que ça renvoie. Eh bien, dans les NFT, c'est le cas. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui vont utiliser l'image de leur CryptoPunk, qui vont l'afficher, qui vont dire qu'ils en ont, qui vont donner dans leur profil Twitter la liste de tous les NFT qu'ils ont pour renvoyer ce message-là. Si vous avez un petit capital et que vous commencez à investir dans les NFT, n'essayez pas de jouer au même jeu que ces gens-là, puisqu'ils n'ont pas les mêmes objectifs derrière, et là où vous pouvez tout perdre. Ils n'ont pas aussi des fois la même condition. Il faut voir votre condition déjà, il faut étudier. Il faut voir que c'est un marché complexe quand même. Il ne faut pas penser qu'on va que gagner, mais c'est un marché intéressant quand même. C'est un trop, trop intéressant marché, mais il est trop hypé. C'est ça le souci. Il est trop hypé. Pour eux, ce n'est qu'une décision afin de renvoyer une certaine image à un instant T. Ça, c'est pour les NFT artistiques et c'est là-dessus que j'avais le plus de choses à dire parce que c'est là-dessus qu'il y a les plus grosses dérives et qu'on constate parfois des gens qui dépensent une fortune contre approximativement rien du tout. Mais attention, il y a également les NFT utilitaires et c'est la deuxième grosse partie de cette vidéo. Les NFT utilitaires, eux, proposent un service en échange. Il y a deux gros types d'utilitaires, ceux qui vont donner un accès, un service, et ceux qui vont vous donner un produit, pouvoir faire quelque chose. La plupart du temps, il n'y a pas grand-chose encore, hein, on est vraiment en train d'étudier pour la première fois ces NFT, mais par exemple, il y a des NFT qui permettent d'ouvrir des serrures. Et à ce moment-là, le NFT, c'est rien de plus qu'une clé, d'accord? Ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est plus quantifiable. Je vous dis une bêtise, mais... J'en ai une clé NFT, elle s'appelle MetaKey, des MetaKey. J'en ai la quatrième. J'ai acheté à environ 0,35 Ethereum et je pense pouvoir la vendre quelques jours à plus de 10 Ethereum. Je ne sais pas si ça va arriver, mais c'est un bon projet quand même. Et la clé vous permet d'aller au cinéma, d'accord? Ça vous donne le NFT vous donne un pass pour aller voir un film. Vous pouvez à peu près évaluer la valeur du NFT. Vous pouvez évaluer qu'il n'est pas seulement la valeur artistique d'avoir l'une des seules places pour voir ce film, mais c'est surtout le NFT vous donne accès à ce moment, à ce film et à ce service finalement. Et donc c'est plus quantifiable. Après, il y a également d'autres NFT utilitaires qui vont vous donner des accès à des jeux. Par exemple, grâce à ce NFT, vous pouvez utiliser tel bot de trading qui rapporte tant par an. Grâce à ce... Je pense aussi que d'ici à quelques-uns, ils vont utiliser les NFT pour qu'on puisse accéder à des services streaming, à des services internet, à des trucs plus, voilà, pour plus, des trucs que, voilà, des services. D'ici à quelques-uns, on va tout ça regarder.
Parce que le NFT, ça n'a rien de plus que une crypto-monnaie qu'on ne peut pas faire pareil. Ça veut dire un non-fungible token. Ça veut dire un token qu'on ne peut pas faire un autre pareil. Donc, ça peut identifier les gens aussi, hein. Il y a beaucoup de choses qui peuvent devenir des NFT dans l'avenir. À ce NFT, vous pouvez dans tel jeu vidéo, là je fais des parallèles avec par exemple Axie Infinity ou encore Sorare, vous pouvez dans tel jeu vidéo participer à tel et tel championnat, et si vous gagnez le championnat, vous pouvez gagner tant d'argent. À ce moment-là, vous pouvez quantifier. Vous voyez en fait le prix du NFT, sa valeur va être plus ou moins corrélée à un usage et à un service réel qui vous est rendu. Encore une fois, il y a des fois des entre-deux. Sur Sorare, certaines cartes vous permettent de participer à une ligue, à un certain championnat de football, mais ont également leur côté artistique, unique, le côté rareté. Et donc le mélange des fois, peut augmenter encore plus la valeur de l'objet. Mais ce que je veux vous dire, c'est que sur les NFT utilitaires, il y a beaucoup de choses à faire, et je pense que c'est également eux dont on va devoir expérimenter l'usage et qui vont développer la vraie utilité des NFT à l'avenir. Petit point avec les jeux qui proposent des lands, donc Sandbox par exemple, Decentraland ou encore OVR qui vont vous permettre. Faut regarder quels sont les mieux. Sandbox, c'est pas un conseil, mais si je pourrais, je l'aurais dans mes poches. Si on a aussi dans Decentraland des lands à vendre aussi, si je pourrais, j'aurais dans les poches. Là, c'est d'autres trucs anciens, c'est d'autres trucs solides, c'est d'autres trucs qu'il y a des gens qui sont par derrière, qui sont sérieux. Mais c'est pas un conseil, hein. Mais si j'aurais de l'argent à l'instant pour avoir au moins une dizaine de ces landes-là, j'aurai dans mes poches. Mettre dans un monde virtuel, finalement, d'acheter une certaine parcelle de terrain pour vous. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a énormément de jeux qui sont en train de commencer à se développer sur cette tendance. De plus en plus de mondes virtuels où vous pouvez acheter un espace pour vous qui est un NFT et qui prouve que vous êtes l'unique propriétaire de cet espace. Ce qu'il faut comprendre avec ça, c'est qu'aujourd'hui, on a quelques champions dont les noms, je viens de les citer. Il y en aura de plus en plus et je ne pense pas qu'ils vont tous perdre de la valeur, d'accord? Mais je pense qu'il va y avoir un oligopole qui va se faire à un moment. Voilà, des champions et des oligopoles. Ça, ce qu'il a dit là, c'est trop intéressant. Donc, il ne faut pas chercher beaucoup de choses hypées qui ne sont pas connues. Et voilà, qu'on a doute des gens qui sont par derrière. Il faut regarder tout ça. Ça, il y a une parole sage là. Un moment. C'est-à-dire qu'il y aura quelques jeux, 4-5, pourquoi pas ceux dont je viens de citer, dont les terrains vaudront toujours plus ou moins de valeur parce que beaucoup de gens s'intéressent à ces terrains-là. Par contre, il y en a d'autres qui vont arriver, qui vont se développer, qui vont pas vendre tout leur terrain. Le projet va être abandonné et plus personne ne voudra en entendre parler. Il faut bien l'avoir en tête. Ça peut avoir de la valeur. Encore une fois, c'est le côté utilitaire, le droit d'avoir accès à une certaine parcelle dans un jeu parce que vous l'avez acheté. Mais encore une fois, souvenez-vous, en prenant un peu plus de recul, essayez d'avoir une vision un peu plus macro et de vous dire, est-ce que ce jeu, est-ce que ces jeux dont j'ai acheté des terres sont vraiment les jeux qui vont rester leaders sur ce marché? Ou alors, quand on voit un nouveau leader arriver qui commence à prendre beaucoup d'espace et beaucoup d'ampleur, naturellement, on ne pourra pas valoriser toutes les terres de tous les jeux vidéo. Il y aura un oligopole qui va s'installer. Regardez aussi par rapport à Meta. Hein. Il va parler, je pense, de Meta. Meta, le truc de Facebook. Là. Et donc, quelques-uns qui vont maintenir cette valeur au détriment de tous les autres. Gardez bien ça en tête, ça va évoluer en fonction de ceux qui arrivent à maintenir leur première place dans ce genre de jeux vidéo et dans ce genre de nouvel univers. Pour finir, on a tout ce qui va être NFT de financement. Des NFT qui, quand un artiste va sortir une musique, propose aux gens d'acheter ses NFT. Grâce à l'argent de ces NFT, il produit sa musique et en échange, il donne un pourcentage de revenus aux gens qui les ont achetés. Là, c'est un NFT qui est utilitaire, mais d'un point de vue du financement. Et là, sa valeur, c'est très clairement un pari sur est-ce que le morceau de musique va fonctionner ou pas. C'est bien ce qu'il faut comprendre. Globalement, dans les NFT utilitaires, c'est déjà beaucoup plus palpable parce qu'on peut évaluer le service que ça nous offre et nous dire est-ce que ça vaut le coup ou pas. Là où il y a un problème et là où il faut faire attention, c'est sur les promesses. Beaucoup de gens vendent un NFT et vous disent ouais, puis un jour il servira à ça, et puis on vous promet que ça vous permettra de faire ça. Sachez juste que la promesse peut être réelle, et à ce moment-là, vous pouvez évaluer la valeur du NFT sur cette promesse qui vous a été faite, mais rappelez-vous que comme toute promesse, parfois elles ne sont pas tenues. Il faut simplement l'avoir en tête, il faut y penser et se dire que. Déjà, si les personnes ne sont pas derrière le projet, s'ils ne font pas les roadmaps comme il faut, s'ils ne sont pas alignés avec les roadmaps, ne sont pas sérieux, il faut faire attention. Si tu peux, saute. Saute et sors de là-bas. Si tu peux, vends tes affaires et dégage. C'est un conseil. Et c'est comme ça qu'il faut le faire parce que tous les projets qui font roadmap, ils font rien de tout ce qui s'écrit. Oublie.
oublient. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sérieux, ils ne vont pas être sérieux jamais. Donc, il ne faut pas, ah ouais, non, mais ça, c'est un jeu que ça va être trop bien. Ah non, mais cette collection, il n'a pas ça dans le trading. Il n'a pas ça dans le monde crypto. Il faut être sage. Que peut-être ce que vous achetez maintenant, avec la promesse que l'outil sera utile dans 2 ou 3 ans, eh bien cette promesse ne sera peut-être pas tenue et donc vous avez peut-être simplement un objet qui ne sera pas utile plus tard. Gardez ça en tête et surtout, dites-vous bien, dès que vous investissez, que ce soit dans les crypto-monnaies ou dans les NFT, que vous ne devez pas mettre d'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre. Surtout pas si votre but c'est de gagner de l'argent dans les NFT. En portugais, on dit l'argent, il ne faut pas mélanger les choses. Il ne faut pas utiliser l'argent du lait des enfants. Il faut utiliser l'argent de la cachacha. De la cachaça. De l'alcool. L'argent de l'alcool, pas l'argent du lait des enfants. C'est ça qu'on dit en portugais. C'est un métier à part entière. Alors la vraie grosse question, c'est est-ce que ce marché va se calmer finalement? Est-ce que ce marché va s'arrêter? Est-ce qu'il y a un moment où ça ne va plus décoller? Eh bien, c'est difficile à dire. Naturellement, oui, il va y avoir une phase où on va se calmer parce que là, c'est vraiment un effet de surchauffe. Là, c'est un effet de mode, de hype, et ça va naturellement se calmer. Déjà, la moindre baisse violente de Bitcoin et des crypto-monnaies en général calmera également les NFT. Ça vient de la même. Donc là, la baisse, je peux vous dire que Bitcoin, il sent un peu aujourd'hui, hein, à cause de tous les trucs d'FMI, tout ça là, il est en train de sentir un peu. Je vais juste regarder. Je vais laisser ouvrir. Technologie, la plupart ont un lien direct ou indirect avec les crypto-monnaies. Si un jour il y a une grosse baisse d'intérêt, bien que quelques NFT seront maintenus et la valeur également par l'émetteur et par l'artiste qui les a proposés, par exemple, la plus. On va voir. 41, il est un peu latéralisé là. Je pensais qu'il aurait démonté un peu ici. Non, il n'a rien fait. Il latéralise. Ça constate pas qu'il va descendre. Ici, dans le RSI, ça dit que c'est l'heure d'acheter encore. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas tomber. Hein. Mon graphique, il a bugué un peu là. Dans un jour, il marche à peu près. C'est pas la même chose du monde non plus. Voilà, dans un jour. Là. Faut que je mette ça. Oulala, oulala. Le chargeur. Hop, hop, hop. C'est bon. Ça charge encore. Ouais, c'est bien latéralisé là. Au moins, c'est pas vraiment la baisse. C'est un peu latéralisé. Mais là, c'est un peu la baisse là. Ah, bouge un peu toi. Donc, je vais regarder ici. Je vais regarder dans un mois, comme ça, on va voir mieux. Ouais, carrément la baisse dans un mois. Pas la baisse des arbres, mais ça descend. Donc, c'est pas un très beau graphique là. Dans 3 mois aussi, dans 6 mois, on dirait qu'il est en train de descendre. Dans une année, latéralisé. S'il est latéralisé vraiment, c'est pas grave. Bon, dans 5 ans, c'est pas assez joli quand même. Dans une année, latéralisé. Donc là, dans 5 jours, ouais, en descente. On ne peut pas dire qu'il est avec une belle graphique. Hein. On revient à lui. On revient à lui. Il y a un bug ici. Donne-moi 2 secondes. Ah, ça prend une heure pour charger. On oublie ça. On oublie ça, on oublie ça. Par exemple, hein, là, c'est de drop qui MetaKey est en train de donner pour les gens qui ont, qu'ils ont une MetaKey, quoi. Donc moi, je vais toucher les quatrièmes. Ça monte même pas, ça a bugué. Donc, MetaKey, la clé que j'ai dit tout à l'heure. OK? Après, vous regardez c'est quoi MetaKey sur Twitter. Donc, je ferme ça, je ne vais pas avoir besoin.
ferme, je ferme. On continue avec. La plupart des NFT perdront de la valeur au moment où les crypto-monnaies vont également perdre de la valeur. Et on le sait très bien, le marché ne monte pas toujours. Il y a des moments où il baisse, donc on sait que ça arrivera tôt ou tard. Malgré tout, on ne sait pas combien de temps ça va durer. C'est-à-dire que cet effet de hype est une espèce de gros boule de neige qui, comme je vous l'ai dit, est devenu un cercle qui va de plus en plus vite et qui fait que tous les artistes qui proposent des NFT gagnent de l'argent et proposent donc à d'autres artistes ou à d'autres entreprises, dans le gaming ou pas, de créer des solutions et donc de proposer ce genre de produit. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait pas combien de temps va durer cette tendance. Et on sait également que sur du très long terme, elle va revenir, elle va persister et ça ne m'étonnerait pas du tout, comme je le dis dans ma vidéo sur les métaverses, qu'il y ait des grandes marques qui fassent des défilés de prêt-à-porter totalement numériques qui sont des NFT d'ici quelques années dans des mondes virtuel, pourquoi pas à travers notre casque Oculus. En attendant, là, maintenant, tout de suite, on ne peut pas évaluer si ça va durer quelques mois, peut-être une année, si ça va s'accélérer et aller encore plus vite ou si ça va s'arrêter tout de suite. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir une période de calme et à ce moment-là, on va mine de rien mettre tous les NFT sur la table en disant, bon, lesquels ont une vraie utilité, lesquels ont une vraie forme d'art engagée et qui l'emportent avec le NFT en lui-même. Le mieux, c'est de ne pas toucher cela qui vous pensez qu'il n'a pas quelque chose qui va faire tenir la valeur. Et si on bouge avec quelque chose, essayez d'avoir le mieux projet, étudiez beaucoup les projets. Et si vous avez acheté un ou deux ou trois qui ne sont pas des belles projets, des bons projets, excusez-moi, il faut essayer de se débarrasser. Hein. C'est ça qu'il faut faire. Et lesquels ne servent strictement à rien du tout et n'ont été que l'outil permettant de mettre la main dans la poche de personnes crédules qui ne comprennent. Il ne faut pas avoir l'amour à un actif. Vous pensez que l'actif, il est là-bas pour qu'on puisse générer plus d'actifs. Si on a l'amour avec un actif, automatiquement, on n'est pas sûr de nous, de nos actions, et donc on va certainement perdre de l'argent. Okay? Si on a de l'argent à faire, il faut le faire. Il faut faire des ventes et des achats au mieux moment. Il ne faut pas penser à créer des sentiments par rapport à un projet. Si on regarde, si vous regardez ici, qui est un projet, il ne va pas bien, il ne faut pas rester avec. C'est ça qu'il faut faire dans le monde de la crypto, dans le monde des actions, dans tous les mondes de business, il faut faire comme ça. Prenez pas ce qu'elles achetaient et de leur prendre un maximum en un minimum de temps, avec un minimum d'effort. Parce que je le rappelle, faire des NFT, c'est quand même pas très complexe. En tout cas, pas la plupart des NFT qu'on voit. Petit point quand même, la JP Morgan Bank nous rappelle qu'en janvier 2021, il y avait approximativement 400 millions de dollars qui étaient échangés par mois sur des NFT. Aujourd'hui, décembre 2021, on est à peu près à 2 milliards de dollars. Donc ça s'accélère encore. Rien ne nous dit que ça... 400 000 à 2 milliards. Ça a pris de la valeur, les marchés. Hein. Laisse tomber. Ça va freiner, il y a d'ailleurs très peu de chances que ça freine. Et encore une fois, même si je tire sur beaucoup de NFT, il y en a certains qui sont là juste pour rendre des services, qui sont juste des certificats et qui n'ont pas pour autant la volonté de prendre l'argent de ceux qui les achètent. Il faut bien l'avoir en tête. Malgré tout, on pourrait se demander quel gros frein pourrait arriver. Le marché qui pourrait se calmer, la tendance qui pourrait s'arrêter, mais il y a un troisième point. Ce troisième point, c'est la régulation. En effet, beaucoup de gens qui vendent des NFT n'ont même pas d'entreprise. Pas qu'il y ait dans le NFT, hein, dans les DeFi, dans le monde crypto. Ça va arriver. Ils vont taper fort. Il faut savoir se protéger. Ça va arriver. Ils sont comme... Ils sont en train... Vous savez, les loups, quand il y en a une chasse, qui sont auprès, mais ils ne peuvent pas attaquer, ils sont en train de baver pour attaquer. C'est la même chose l'État avec les gens qui sont dans ces marchés-là. C'est comme ça que je compare. Réalisent du profit simplement en le mettant dans leur poche et en gardant leur crypto-monnaie. D'autres personnes ne se rendent même pas compte qu'il y a des très gros volumes qui passent. Aujourd'hui, on a du coup 2 milliards par mois d'NFT qui sont échangés. Ça peut du coup concerner du blanchiment d'argent, ça peut du coup concerner du financement du terrorisme. Il y a des gens qui vont... Ils vont dire que c'est des blanchiments des fois, hein, pour vraiment pour mettre des lois, pour vraiment commencer à imposer des lois et des taxes. Hein. Utiliser les NFT justement pour pouvoir faire des sessions et pour transmettre de la valeur sans payer d'impôts, etc., etc. Ça dépend des pays, ça dépend également de votre domiciliation fiscale, mais sachez qu'à un moment, ça peut être régulé. Soit un régulateur qui imposerait certaines normes et qui va venir taper sur tous ceux qui ont vendu des NFT et qui ont récupéré beaucoup d'argent pour être sûr qu'ils ont bien vérifié l'origine des fonds
et que leur activité n'a pas servi de machine à laver, finalement, pour blanchir de l'argent. Et également, un autre côté, qui lui va être de venir voir si vous vous êtes bel et bien acquitté de l'impôt que vous avez perçu sur la plus-value de vos NFT. Tout ça est encore en train de se définir, mais n'oubliez pas que vous ne pouvez pas simplement générer des dizaines de milliers d'euros ou des centaines de milliers d'euros en vendant des NFT, en les mettant dans votre poche et en vous disant qu'il n'y aura jamais strictement aucun souci. Évidemment, beaucoup de gens le font, mais gardez ça à l'esprit. Le but, c'est toujours de prévoir le pire, de provisionner les ressources nécessaires en cas de problème et ensuite d'essayer d'avancer plus ou moins en accord avec les lois en cours. Ça, chacun sa morale, c'est à vous de le savoir. En attendant, je ne serais vraiment pas étonné et je peux même prendre le pari que dans les 12 prochains mois, il y aura une réglementation en place qui est mise pour toutes les personnes qui émettent des NFT. Une réglementation... On dirait qu'il sait, hein, parce qu'il connaît des gens. Hein. Il sait. Il sait que ça va venir. Il y a des infos. Il est fort. Il est trop fort, ce jeune-là. C'est pas une tête, c'est pas qu'une tête belle. C'est quelqu'un qui a étudié et qui est dans le milieu. Obligatoire sur les fonds, l'origine de ces fonds et pourquoi pas les normes anti-money laundering et contre le financement du terrorisme que connaissent toutes les entités, tous les PSAD aujourd'hui, toutes les sociétés dans le monde de la finance ou de la crypto-monnaie et se doivent de tenir pour être sûr que les activités de vente et d'achat de NFT ne soient pas là pour servir des fins illicites. Voilà les amis, je sais très bien que c'est pas les vidéos qui font le plus de clics. Je sais très bien qu'un top 5 des NFT qui peuvent prendre de la valeur aurait plu à beaucoup plus de monde et m'aurait probablement apporté beaucoup plus d'abonnés sur ma chaîne. Mais je compte sur vous pour vous abonner quand même. La réalité, c'est que beaucoup de gens qui connaissent bien les NFT sont déjà au courant de tout ça et le savent très bien. Ce qui m'embête, c'est que je ne dois pas m'adresser qu'à ces gens qui maîtrisent déjà l'écosystème. Au contraire, ma chaîne est consultée par beaucoup de débutants et c'est ces choses-là que vous devez avoir en tête. Si vous avez compris tout ça, si vous connaissez maintenant les leviers qui sont utilisés par les gens qui vendent et qui achètent des NFT, vous pouvez très bien en acheter. Mais vous devez quand même savoir le risque que vous prenez. Et en gros, vous devez comprendre, quand vous êtes dans un casino, que c'est un casino. Pour revenir sur l'exemple que j'utilise au début de la vidéo. À partir du moment où vous avez conscience de ce que vous faites, si vous avez conscience des risques que vous prenez, vous pouvez très bien acheter un NFT à un prix raisonnable d'un artiste que vous adorez. Vous pouvez très bien acheter un NFT dans un jeu vidéo métaverse en vous disant que la parcelle de terrain que vous avez vaudra plus tard beaucoup plus, mais vous devez avoir conscience que vous pouvez également perdre de l'argent. Et c'est seulement sur cette base saine que vous pourrez profiter des NFT sans jamais que ce soit cet écosystème qui abuse de vous. Et c'est ça qui était important pour moi, en tout cas pour mes abonnés. Vous savez, j'ai déjà reçu un message de quelqu'un qui me proposait de vendre une centaine d'NFT à mon nom et il m'a acheté le premier très très cher parce qu'il comptait le revendre encore plus cher à la communauté. Quand on voit les montants qui sont proposés, on se rend compte que c'est déraisonnable et que ce côté déraisonnable est éphémère. Gardez bien ça en tête, prenez du recul, faites vos propres recherches et surtout, ne vous précipitez pas. Si vous êtes débutant, vous arrivez dans les crypto-monnaies par le biais des NFT parce qu'un artiste à vous vous l'a fait découvrir, ne soyez pas hypé par ce que l'on appelle le FOMO, ce fear of missing out, la peur de rater le train. Des opportunités, il y en avait hier, il y en aura demain, mais la précipitation peut coûter très cher dans cet écosystème. Mine de rien, même si ce sont des crypto-monnaies, c'est de l'argent et il faut l'avoir en tête. C'était Asher, j'espère que vous êtes abonné, que vous avez mis un pouce bleu et que vous êtes en train de m'écrire un commentaire énorme. On se retrouve à très bientôt, ici ou sur mes réseaux sociaux. Au revoir. Au revoir Asher. Bon, galera, é o seguinte, tá aí o vídeo, né? Eu me regalei aqui, como diz o francês. Esse bicho, ele é fodástico. Vou fazer o sorriso igual dele. A mãozinha. Asher, você é o cara, Asher. Então é isso, mais um vídeo top, não se esqueça de se inscrever, né, de comentar aí embaixo, e eu vou trazer direto o vídeo dele, eu tenho um playlist dele, tá? Ele prometeu que ele vai trazer bastante vídeo de novidade, mas também de vídeo informando, ensinando as pessoas que não sabem que são leiga, porque ele tá com muito inscrito novo que tem que aprender, tá bom? É um professorzinho aí novo. Gosto demais do serviço dele, do trabalho dele. É top. Mais um vídeo top aqui de React. Tamo junto. Aquele abraço. Beijo no coração. Fui, galera.